In France today, 1.7 million women can't go to school or work when they have their periods because they can't afford to buy periodic protections. The association Règles Élémentaires is fighting to highlight this taboo subject and to make the voices of these invisible women heard by using the most visible women in France, the weather presenters. And here is what happened on three major national TV channels. Our presenter will not present the weather because she has her period. We apologize for the inconvenience. In a matter of seconds, there were thousands of reactions up to the moment when the operation was revealed at the end of the weather reports. This initiative is carried out in solidarity with the 1.7 million women suffering from period poverty. Because they don't have the financial means to buy periodic protections, most of them cannot go to work or school during their period. Une opération choc, vous allez Règles élémentaires. C'est un sujet tabou, la précarité menstruelle. Les présentatrices météo absentes pour dénoncer la précarité menstruelle. Ce sont des travailleuses pauvres ou étudiantes. Elles doivent passer de protection hygiénique. Des millions de femmes qui, juste tous les mois, ne peuvent pas sortir de chez elles, ne peuvent pas travailler ou aller à l'école. We wanted to raise awareness and collect donations. We got a lot more. Parlons maintenant du sujet de la précarité menstruelle qui est apparu dans le débat public. Oui, c'est un sujet sur lequel j'ai demandé qu'on avance et il sera dans les prochains mois. Tampon, serviette, Marlène Schiappa annonce l'expérimentation de la gratuité des protections hygiéniques. Écoutez Tara Euzé-Sarmini, présidente de l'association Règles Élémentaires. On a changé les règles et on est en train de changer les lois. Cette campagne a contribué à ce que toutes les femmes, aujourd'hui et à l'avenir, vivent leurs règles dignement.